camarades, très chers camarades, adhérents, amis et sympathisants de la société civile au sein des différents syndicats et organisations des étudiants de l'université Omar Bongo, suivons attentivement le message que nous allons donner au président de l'Assemblée nationale, et nous allons accorder à cette institution un délai de 3 jours. Nous vous disons, à compter de cet instant, vous êtes la représentation nationale. Premièrement, donnez l'ordre de libérer dans l'immédiat tous les étudiants enfermés arbitrairement. Donnez l'ordre de réhabiliter tous les étudiants exclus arbitrairement. Dans l'immédiat, monsieur le président de l'Assemblée, devant vous, vous avez le peuple. Et c'est ce peuple qui vous a sollicité autrefois. Et vous avez dit que vous êtes à Ottawa. Le refus de recevoir le peuple ce jour prouve à suffisance que vous n'êtes pas là pour le bonheur des Gabonais que nous sommes. Alors nous venons vous donner un message clair. En dehors des deux premiers messages donnés qui concernent les étudiants, libération immédiate, réhabilitation immédiate, le paiement de la bourse dans l'immédiat, écoutez alors la parole des fonctionnaires gabonais, des travailleurs. Le président de la République nous invite à une rencontre le lundi 17 novembre 2014. Retenez le message, refus total. Refus total. Pour que cet appel soit favorable, l'appel du 17 lancé par le président de la République, pour que cet appel soit favorable. Quelles sont les conditions? Nous allons donc vous les citer. 1. Le relèvement du point d'indice à 1500 francs. 2. L'augmentation du SMIC à 300 000 francs. 3. L'augmentation des nombres d'indices. 4. Le paiement immédiat de la PIP à tous les agents de l'administration publique sans évaluation. Civil, militaire, personnel de la magistrature et personnel des institutions fonctionnelles. 5. Nous sommes au 5e point. 5. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, nous osons croire
que nous qui sommes encore aujourd'hui des corps en vie, parce que chez vous, vous n'aimez pas la vérité. Nous osons croire qu'à notre retour, on ne va pas nous appeler des corps sans vie. Parce que devant vous, nous sommes des corps en vie. Quand on part d'ici, on risque de nous appeler des corps sans vie. Alors, à cela, monsieur le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, et tout de suite, le paiement intégral de tous les rappels soldes. Aujourd'hui, et tout de suite, l'intégration des anciens du pré-primaire, sans délai. Aujourd'hui, et tout de suite, la régularisation des autres situations administratives. Aujourd'hui, et tout de suite, monsieur le président de l'Assemblée nationale, le remboursement de toutes les sommes, prélevées frauduleusement par la CNAMGS avant notre enrôlement. Tout de suite, le remboursement de toutes les sommes prélevées par la CNAMGS avant notre immatriculation. Tout de suite, la suspension de ces prélèvements dans l'immédiat. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes devant vous. Nous sommes devant vous, encore vivants. Mais nous vous réitérons, que là nous sommes calmes. La première fois que nous sommes arrivés ici, on n'était pas si nombreux. La deuxième fois que nous sommes arrivés aujourd'hui, voilà le peuple devant vous. La troisième fois. L'enrôlement, la bancarisation des agents de la main d'œuvre non permanente au trésor public dans l'immédiat, y compris leur intégration à la fonction publique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je viens de vous citer la première fois, vous avez refusé de nous recevoir. La deuxième fois, c'est ce nombre qui est devant vous aujourd'hui. La troisième fois, point d'interrogation. Je me fais donc le plaisir de vous transmettre par écrit. Je me fais donc le devoir de vous transmettre par écrit. Ici dans bientôt. D'accord pour nous entendre. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord rétablir une vérité. Vous étiez ici en juillet 2014. Juillet 2014, je me trouvais à Québec, à Ottawa exactement. Mesdames et messieurs, comme cela a été dit, que j'ai refusé de vous recevoir en juillet dernier. Maintenant, mesdames et messieurs, vous êtes venus à la maison du peuple transmettre vos préoccupations. Moi, en tant que parlementaire, en tant que président de l'Assemblée nationale, je ne suis que l'intermédiaire entre le peuple et l'exécutif. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre donc votre document et le présenter au gouvernement qui a la responsabilité de la conduite de la politique de la nation. Voilà le rôle qui est le mien et que je vais m'efforcer d'accomplir.
famille. Voilà. Moi, je pense avoir dit l'essentiel. On va vous dire, il faut que le